Ouais. Merci. On va se calmer. Il y en a qui sont quasiment chez eux à Commentry, puisque je sais qu'il y a parmi vous des gens qui sont là depuis la première synergie, et peut-être même déjà avant, puisque par amitié personnelle, eh bien, toute l'équipe des Bayoux, Roro bien sûr, et l'ensemble des bénévoles qui l'accompagnent, eh bien, vous les connaissiez personnellement par amitié depuis de nombreuses années, donc il y en a qui sont ici déjà chez eux depuis plus de 12 ans. Alors soyez de nouveau bienvenus à Commentry et sentez-vous véritablement comme chez vous. Allez, ça va coûter, allez, en 2000. On peut se battre, on peut se découvrir. Pas dans les recoins. Ah bah là, ça sur les images. copains surtout. D'accord. L'ambiance, les copains. Et vous en faites souvent des concentrations en France, non? Ah, régulièrement, oui, dans toute France et puis à l'étranger aussi. On part en Suisse, on va sur la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne. Voilà. Okay. Donc c'est un incontournable de venir à ce rassemblement qui est très joli. Et très sympa, très sympa. Ça permet de retrouver tous les copains qu'on voit des fois qu'une fois par an. Et ouais, c'est bon comme ça. Voilà. Merci en tout cas, super. Rien, merci. Que tu viens au Bayoux, c'est la deuxième année que je viens au Bayoux. C'est la deuxième année, ouais, d'accord, ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu en dirais, toi, de cette manif? Oh, c'est une bonne manifestation et je pense qu'on peut encore la faire évoluer. Ouais. Tu en as entendu parler comment de des amis à moi qui la faisaient, parce que je fais quand même pas mal de concentration sur le sud-ouest, parce que je suis de Bordeaux, et qui venaient, qui m'ont dit que du bien des Bayoux, donc je suis venu depuis 2 ans. Oh, ben, c'est une manifestation populaire et agréable, ouais, avec beaucoup de trikers, donc on en voit pas énormément en trike. Ouais, ouais. Moi je suis plutôt surtout sur la Harley, mais en trike c'est aussi une bonne manifestation sympathique. Voilà. C'est simple, convivial, il n'y a aucune retenue, ça se passe très très bien, les gens sont vraiment conviviaux et sympathiques. Ouais, voilà. Et alors l'année prochaine, tu remets ça? L'année prochaine, on remet ça, oui, tout à fait. Eh bien merci beaucoup. Ben, de rien, merci à toi. Merci. Ça vaut le coup de venir, Ouais. Rares sont les rassemblements où tout est gratuit comme ça, où on s'amuse autant, l'ambiance est sympa. Ouais. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Merci Roro, Alvaro. Oui, voilà. Pour mieux que ça continue, et puis un grand merci à l'équipe de bénévoles qui nous reçoivent. C'est bon enfant, il n'y a pas d'histoire. C'est franchement formidable. D'accord, ok. Tout est gardé, tout est sécurisé, il y a une bonne équipe, franchement c'est bien. C'est une super manif. Oui. Parce que déjà, bon, ça draine du monde. On voit des machines fabuleuses. Et puis l'équipe est juste fantastique. Les bénévoles motivés. Les gars super motivés. Un travail énorme. Parce que là, il y a 15 jours de boulot plein sur des journées de 10-12 heures. Non-stop, ça n'arrête pas. J'ai eu organisé il y a une dizaine d'années avec des gars de l'Allier un festival qui s'appelait Rock'n Bike à l'époque. Qui n'était pas aussi gros et qui ramenait pas autant de monde que ça. On voit déjà le boulot que c'était. C'est ça, quoi. Les aimants, le travail colossal. C'est un des plus gros rassemblements de trike en France. Et ce qui fait leur force. Puis c'est très convivial, c'est très chaleureux. On sent que les gens viennent se balader ici par plaisir et se régalent. Il y a un côté très familial. Donc automatiquement, ça dégage une ambiance super sympa. Et puis comme je vous dis, là, en tant qu'intervenant extérieur, un accueil... il manquait plus que le tapis rouge, je me serais cru à Cannes. Logé dans les locaux des Bayoux, à 1 kilomètre d'ici. Non, super. D'accord. Puis les gens prennent soin... des visiteurs, des Bayoux, soin des intervenants, des exposants, je pense, autant qu'ils prennent soin de leurs bénévoles, parce qu'on n'a pas du tout l'impression d'avoir affaire à des bénévoles, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à des pros. Dans l'organisation. Donc je leur tire mon chapeau, ou du moins ma casquette. Je leur dis, les Bayoux, chapeau, vous êtes vraiment les meilleurs. En plus ça sent bon. Et ça se mange, c'est ça. Ça se mange, c'est ça le pire, c'est ça. Et il y a beaucoup de gens qui viennent pour la qualité, pour l'ambiance. L'ambiance, l'accueil, voilà. Pour le cadre, sympathique. Parce qu'on a quand même un cadre pas trop désagréable. C'est vrai, c'est sûr. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a tous les sanitaires et tout, on a l'électricité et tout. Bon, on a quand même un maire qui est quand même assez compréhensif. Il y a des bonnes conditions, C'est important, c'est important. Et alors vous êtes bénévole pour les Bayoux depuis longtemps, non? Ça fait 6 ans, moi. 6 ans, d'accord. C'est la 6e fois. Et 6 ans au fourneau? 6 ans là, ici au fourneau, toujours. Là, chef. À la rôtissoire, là. À la rôtissoire, Et vous, messieurs, ça fait longtemps, là, que... alors nous, ça fait 2 ans, nous. 2 ans, d'accord, Mais je veux rien dire, mais c'est un beau bazar. C'est vrai? C'est un beau bazar. C'est-à-dire? Non. Je sais bien. Tu vas te faire licencier. Il y a de la bonne humeur. Un bazar bien organisé. Voilà, c'est ça. Bien organisé. Mais c'est du bon bazar, quoi. Ça fait du monde, Et vous faites combien de repas, là, à midi? Vous avez une ordre d'idée, non? Hier, j'ai coupé une trentaine d'euros. Des gigots. 30 gigots. Et on a fait une trentaine de poulets. Combien vous dites de repas? 5-6 000 euros. 5-6 000. Mais attendez, 5-6 000 pour toute la manif ou? Non, par jour. Ah non, par jour. Aïe aïe aïe. Là, c'est jour. Ils mangent. Ah mais ça rigole pas là. Non, il y a du monde. Ils mangent à toute heure en plus. On commence, il est 11h30, on finit le service, et 2h30, 3h. On est là le matin, puis après on roule jusqu'au soir. Voilà. Oui, c'est ça. Pour des motards, c'est normal de rouler. Et alors, tu viens donner un coup de main aussi? Oui. Depuis cette année? Oui. D'accord. Et tu fais quoi alors? Je fais la vaisselle. Tu fais la vaisselle? Il faut. Ouais, ouais. Avec la super machine à laver. Mmh. On n'a jamais une minute où on s'ennuie pas, ou qu'on fait rien. Double, faites double, la sable, l'huile de bois, ça. Ah ouais, d'accord, mais séparé. Séparé. Ok, d'accord. Un double. Tout aussi. D'accord. Tout là. Là, t'en as fait un départ et un retour là. Surprise. Ok. Eh ben, tu prends chaque bois, tu prends la casse, chaque bois, et stein. Ça va dessus, c'est les mêmes. Et puis comment ils sont tes branchements, enfin bon tu me diras. Et ventilateur, au moins là t'as un ventilateur. Mais comment t'as l'arrivée, tu vois moi je l'ai là au-dessus et puis le départ qui est en dessous. Ils sont croisés, tu sais pour le. Là aussi. Ah ouais d'accord. Il est en haut tout. J'ai pas mis les lunettes. Ah ouais, ah ouais, ouais. Regarde, là bon, t'as l'entrée, la sortie, et puis là j'ai pour l'huile. J'ai un double ventilo, mais tu vois l'huile il est là. T'as les tuyaux qui arrivent là et là. Non mais c'est moi contre. Ah ouais. Ah. Je sais plus si vous allez en boîte. Vous venez de Belgique? Et c'est la première année que vous venez? Oui. Ouais. Et vous avez entendu parler comment des Bayoux? Bah, j'ai des... C'est eux qui vous font en parler? Oui, l'association des motards en colère. Français, en colère. Et c'est là qu'on le sait, par Facebook. D'accord. Facebook nous a tout donné. D'accord. Et alors comment vous trouvez là? Ah ben c'est bien. C'est sympa? Ah oui. Ouais. La bouffe est bonne. La bouffe est bonne. Ah, ça, oui, c'est vrai. En frites aussi qu'on est nous. Ah ben oui, ben ouais. Et c'est important hein? Ben c'est vrai. C'est important. Ouais. Pas de chou. Parce que t'as des endroits où tu bouffes mal. Hein. Ouais, c'est vrai. Et vous, c'est la première fois que vous venez aussi ou vous êtes déjà venu? C'est la première fois. Et alors vos impressions? Ben, très bonne impression. L'ambiance est bonne. Ouais. Il y a des filles qui sont habillées un peu sexy. Un dernier rappel pour les volontaires de la sécurité des balades qui ne sont pas encore venus chercher leur gilet jaune, s'il vous plaît, on a besoin de vous. C'est la première fois que vous venez? C'est une petite concentration digne des grands. Digne des grands, d'accord. J'ai laissé tomber les grands et je viens à Commentry. Ouais. Vous en faites souvent des concentrations? De moins en moins, mais bon, j'en fais 3-4 par an. Ouais. Et comparativement, Commentry, c'est bien. Qu'est-ce que vous appréciez à Commentry? Il y a beaucoup de tracks, c'est sympa. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est basé sur Allier, mais il y a de tout quand même, hein. c'est pas raciste. Ouais. Les stands, les concerts, l'organisation vraiment au top. D'accord, ok. Et si vous deviez revenir, vous reviendriez? Mais c'est pas la première fois je... C'est pas la première fois? Non, vous venez depuis combien de temps? 5 ans. 5 ans, ah oui, donc vous connaissez alors? Ah oui. D'accord, vous avez amené les potes de Belgique pour leur montrer? Avec mon pote Eric. D'accord, et alors vous venez d'où de Belgique? À côté de Bruxelles. À côté de Bruxelles, d'accord. Donc ouais, ça fait une petite trotte, vous êtes arrivé quand? On vient de Jet, en fait. On est arrivé il y a 4-5 jours. D'accord, ok. C'est les vacances quoi. Les vacances. Ouais, ça permet de revoir des potes? Ah oui, oui. Ouais. Des Creusois, des Corréziens, quelques Montluçonnais aussi. Ouais, des gens du coin quoi. On voit tous les ans maintenant. D'accord, ok, ouais. Et vous roulez sur quoi? Harley. Sur une Harley? La grise. La grise, d'accord, ok, ouais. Et tout le monde roule sur Harley ici là ou c'est... Non, ah, non. C'est un peu éclectique. Triomphe. pas peur? Ok, ton prénom, rappelle-moi. Clara, viens Clara. Qu'est-ce que tu nous fais, Clara? Un défilé? Je sais pas pourquoi je sens que Clara, elle est en forme. On a investi dans un applaudimètre. Et ouais. 3, 2, 1. Tom, viens là. C'est à l'unanimité, hein. Bien, Tom. Alors. On y va? Live the life I love.